Hey, mais c'est un gros BG qui vient de lancer son live. Merci infiniment, vous êtes des monstres les amis, merci. Il faut qu'on parle de Rainbow Six Mobile. Allons voir le truc. Ça me fera une vidéo pour YouTube. Ah, vous mettrez bonjour YouTube. Ceci YouTube. Best teammate. Remember it. Faut que je me prépare, faut que je me mette mon mode React. Attendez, je prépare la vignette. On prépare une vidéo YouTube, ok? On prépare une vidéo YouTube, ok? Donc je prépare la vignette déjà. Il faut que je fasse un truc genre... Voilà, c'est bon, tu l'as le designer? Elle est bonne. Allez, celle-là, elle est partie. Hein, si ça se trouve, le développement du jeu mobile s'est fait après qu'ils aient attaqué en justice une copie de Rainbow Six sur mobile, dont j'ai plus le nom. Moi, je pense que oui. Hein. J'ai lu un livre hier soir que je te conseille. Et je pense sincèrement que c'est un complot des... On peut pas le dire ici sur Twitch, parce qu'on est assez surveillé. Mais je pense sincèrement que c'est un complot. Hein, et que les mecs, à la base, sont allés en Chine. Information importante. Tous les développeurs... Tous les développeurs qui ont travaillé sur la copie de Rainbow Six, on n'en entend plus parler. Ouais. Apparemment, ils auraient disparu. Ouais, je sais, c'est un truc de ouf. Ah non, lol. Si, le fameux livre. Si, j'ai lu un livre là-dessus. J'ai lu un livre, mais le dites à personne parce qu'on est écouté ici, ok? Et j'ai pas envie. Ma vie en dépend, ok? Ils pourraient me retrouver quand même. Pre-alpha footage, in-gen cinematics and mobile gameplay footage. Wow, fucking hell! What the fuck? J'espère la musique elle est pas DMCA là. On risque de s'arrêter. Non, on va le faire une fois. Après j'ai des... Il faut que je parle quand même. Donc il faut que je... Là je peux peut-être en profiter pour commencer à faire les... Ah c'est bon, on a le... Ah c'est bon, quel acting, ouais, acteur studio le truc. Eh, le jeu il a l'air mieux optimisé que... Oh, ok j'ai rien dit. Insane! Pourquoi elle a mis un coup de boule au drone? React et analyse. Ok, bon déjà il y aura banque. Hein. J'ai dit que ça va être de l'analyse. J'ai pas dit que ça va être de la grande analyse. Hein. Soit cette map, c'est banque. Faites-moi confiance, je suis un expert de Rainbow Six. Hein. Installez-vous, ça va bien se passer. Bon, déjà on peut voir que... Il manque un truc à droite. Donc ça va être les mêmes maps, mais pas vraiment les mêmes quoi. Bon là c'est totalement la même quand même. Ok, bon là ça doit être H. Ok. Bon faudra leur dire que normalement si tu t'inclines, à mon avis le réticule s'incline quand même. Ça reste pas... Enfin je crois pas. Hein, hein. Attends, ils refont le même trailer que 2015 du coup en fait. Sauf que là on a Ibana avec... C'est pas un Scar ça hein. C'est une Scar ça? Je crois pas. C'est un ACR ça. Ah ouais? C'est quoi le truc à gauche? Ah la vache! Ils ont fait un featuring avec Tintin et tout. Valkyrie elle a chopé 2-3 fois le Covid quand même. Wow, attends, moi je veux tout voir. Ça joue dans les détails Rainbow Six. Ok, ils ont fermé là, les lumières elles sont devenues noires là. Il y a quoi d'autre? Là c'est fermé aussi. Ah, il y a pas de... ils coupent les grandes lignes en fait. Là aussi ils ont fermé, ils sont pas fait yesh. Là on a Bandit avec un MP7 ou 0, mais plutôt Bandit je pense. Jaeger, ils ont forcément simplifié, les débris. Les murs vont avoir très très peu de particules quand ils explosent, ce qui est très intelligent. Pas de verticalité. Bien sûr. Eh oui. Mais ça a l'air propre, hein. C'est qui est-ce qui a fait ça? Ça doit être du Tencent. Mais qui? Ah, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a bossé derrière dessus. Faut que je regarde. Ça doit être sur Gamma Sutra, un truc comme ça. Ok, il y a les recrues déjà. Le retour des recrues, visiblement. L'autre avec son silencieux, là, c'est quoi? C'est Glaze, on dirait. Ok. Le retour des recrues. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Ok, H. Attends, H, elle a quoi, là?
What the fuck? Elle a l'arme de vigile. L'arme de vigile avec un lance-patate. Vas-y, c'est ni une R4C, ni un G36, ça. Et puis, vas-y, si tu vises ton pote, la trigger discipline, elle est où, là, meuf? Tu vas m'enlever tout de suite ce... Qu'est-ce qui se passe, là, si t'éternues? On est en période de Covid, ok? Éternuement, crispation des doigts, bram, deux morts. Les renforts sont là. Attends, il y avait un truc là. Ah, il y a un Capcan. C'est un Capcan. Capcan est dans le jeu. Les charges sont les mêmes. Les explosions sont électriques maintenant. Mais bon, c'est propre au moins. Ça marchera quoi. Au moins, ça marchera. Au moins, ça tournera sur mobile. Le but du jeu, c'est d'être extrêmement... C'est relativement... C'est pas dégueulasse du tout. Enfin, c'est vraiment même très propre. Hein, à voir après, à voir ce que ça donne. Hein. Mais franchement, c'est relativement propre. Hein. C'est vraiment très, très propre. Quoi. C'est optimisé, mais on reconnaît bien Rainbow Six au final. Waouh. C'est qui ce mec? Ok. Donc il fait quoi le monsieur en fait? Il casse la caméra avec son marteau et il met un coup de boule dedans. Il doit avoir des petits problèmes. Mais quand même, des petits trucs qui tournent pas rond hein, quand même. Hein. Derrière un coup de coude. Le mec il aime vraiment pas les caméras quoi. Il pourra pas faire streamer Sledge. Sledge il a pris un coup de vieux. Ah, c'est normal. Il a changé Sledge. Ouais grave. Ok franchement c'est cool hein. Ah non franchement c'est cool. Bravo. Non, vraiment, c'est pas mal. À voir, comme d'habitude, hein. Un trailer, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Mais l'avantage du trailer, déjà, c'est que, visiblement, ils disent dès le début qu'ils utilisent une version du jeu, quoi. Ça a pas l'air d'être si déconnant que ça, au final, quoi. À partir du moment où ils te font pas voir des trucs, là, en mode, yeah, regardez à quel point on va pas très rapidement, parce que, comme ça, ça donne une impression de fluidité et que tout est propre, quoi. Ça, j'aime pas, quoi. Ça, c'est le genre de trailer que j'aime pas trop, quoi. Là, on peut quand même s'arrêter sur le truc et s'apercevoir que, visiblement, ça a l'air d'être fait. Ça donne l'impression d'être fait avec le moteur du jeu, quoi. Donc, clairement, à tester, quoi. À tester, hein. Wait and see, comme on dit. Wait and see. Ok. C'est quoi, ça? C'est les mêmes voix. Vous en pensez quoi du coup? Vous pensez qu'il y a une aide à la visée? Ah bah il n'y a pas le TK en revanche, ça c'est sûr. Bah, c'est bon, on a vu. Enfin pour le moment. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas le TK. C'est trop relou le TK. Ça nique tout le TK. Enfin c'est cool mais voilà quoi. J'ai hâte de tester quand même. En vrai, faut tester, mais pour un jeu mobile, c'est peut-être pas mal. Ouais, hein. Les joueurs console, vous avez des nouveaux concurrents. Il va être très bien. Ouais, je pense. Tu bosses, t'as des actions. C'est pas mal. L'avenir de R6 mobile avec un clavier et une souris, j'ai hâte. Oh, oui. Oh, c'est bien rouge, hein, quand même. Oui. De toute façon, les FPS... Ah là, il n'y a pas de... J'aurais dû mettre ça, en fait. Il n'y a pas de... On peut écouter les bruits, du coup. Pour tout ça. Et ils savent choisir les bons... Ils savent choisir les meilleurs moments, quand même. Et attends, combien de balles? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enemy down, quand même. Bon, il est tombé, quoi. Eh, franchement, le truc à gauche, là, la kill feed, elle est pas dégueulasse, hein. C'est la kill feed de quoi ça? Overwatch non? Paladin. C'est la kill feed de Paladin. Les gens sur tablette vont être avantagés. Oh, oh après la guerre des claviers souris sur console. La guerre des tablettes. Ouais non mais moi je vais avec un ordinateur portable. Putain la vache des trous que ça fait. Attends on a pas vu. C'est propre hein. Eh le mec il a un plasma gun. Nom de Dieu, c'est nickel. Eh franchement le gruyère. Je rêve ou c'est Rainbow Six Mobile hein? Eh non, tu ne rêves pas. C'est bien Rainbow Six Mobile. On peut pas incliner l'arme visiblement. Ah! Il est pas incliné là? Tu penses qu'il reload? Mais non. Incliner là-dedans, ce serait trop casse-couille quoi. Incliner, c'est trop relou. Ça fait le pire du pire dans le jeu et tout. Des pixeling, des trucs, des machins et tout. Oh, tous les jeux qui sont bien skillés, ils ont pas d'inclinaison. Hein. Désolé, mais bon, t'as pas d'inclinaison sur Quake, sur CS ou sur Valo quoi. Ça fait trop partie du jeu maintenant, tu vois.
Ah, mais je réfléchis. Je sais même pas si, franchement, je pense que c'était l'une des pires choses de Rainbow Six au final. Je vais me faire des ennemis, mais ça fait trop partie du jeu. Mais l'inclinaison, ça a posé trop de problèmes à trop de gens, trop de trucs, trop de mécaniques dégueulasses, trop de mécaniques désavantageuses et tout. De jouer sur la mécanique pure, donc des problématiques que tu pourrais avoir avec sur le net en plus, ou sur ta hitbox. Ça a posé trop de bugs, trop de trucs. Sur quelle touche il a puré là pour s'incliner? Non, mais il y a toujours les drones, il y a toujours les trucs, les drones marchent bien, c'est vraiment ce à quoi on devrait s'attendre si on me disait Rainbow Six Mobile, quoi. C'est vrai, hein. La touche au-dessus de visée. Au-dessus de visée. S'accroupir. Recharger. Tirer. Clic droit. Balancer une Pokéball. T4. Ping jaune. Feed up and running. Peut-être le machin... Mais ouais, il s'incline quand même. Bah... Ça me fait penser à Team Fortress un peu, tu vois. Le design. Mais je trouve ça pas dégueulasse du tout, au final. Vous en pensez quoi? Sondage. Ok ou pas ok? La touche viseur, pardon. Il appuie de... Yeah. Oh, c'est marrant, d'avoir mis le truc ici, quoi. La boussole ici, c'est pas si déconnant que ça. Hein. D'autres jeux l'ont fait avec brio. C'est pas dégueulasse, hein. Lui, et si t'enlèves tous les boutons là, la façon dont ils ont fait leur interface graphique, c'est pas dégueulasse du tout. Hein. Bon, à part, effectivement, bon, ça, quoi. C'est quoi le bip-bip, là? Elle a un peacemaker ou quoi? C'est quoi ce jeu? Rainbow Six. C'est Rainbow Six année 7, là. Code mobile, c'est Tencent. Je sais pas. Quand il a fait le kill du mec en sortie de la CCTV, il s'incline. Ah ouais? Ah, il y a le shotgun dès là. C'est un drone qu'on entend là? Ah, c'est le bip bip. Non, c'est le bip bip. Le bip bip, le détecteur de métal ou de métaux de... Là, voilà. De border. Ah, je me disais, c'est quoi ce bruit? Ils auraient quand même pu prendre celui de Rainbow Six, quoi, mais bon. Peut-être qu'ils sont obligés de le mettre en version moins, tu vois. Ah, c'est le bip de l'entrée. Du portique métal, ouais. Moi, je trouve ça pas dégueulasse. Hein. Je suis assez content qu'ils aient gardé les maps. Ils ont rendu certaines choses plus simples. Bon, il y aura pas vraiment les wall shots, quoi, les wall bang. Dès que tu tires, maintenant, ça va enlever des gros parpaings dans le mur, quoi. Du coup, ça va. Par rapport à ce que faisait Sledge tout à l'heure, il va y avoir une grosse utilisation des bullet holes. Ils seront des gros bullet holes pour le coup, qui feront la taille d'une caméra de Valkyrie, mais au final. C'est peut-être juste lié au déplacement du joueur. Si tu vises et que tu vas vers la droite, ça incline vers la droite et inversement. Genre comme sur console, comme vous, non? Et en bas, il s'est pas baladé en bas. Vous pensez qu'il y a un accès en bas ou vous pensez que ça joue qu'à... Ah si, bah si, il vient de droner. J'aimerais bien voir l'intégralité de la map, en fait. Attends, et en 30 secondes, le mec, il est déjà remonté SKS. Il est passé par où, lui ?
Six avec des petits tacles glissés contre les consoles, l'air de rien. Moi, des tacles glissés contre la console, j'ai jamais fait ça. Meanwhile. Mais c'est de la merde, mon gars, c'est juste de la merde en fait. Moi, je considère qu'on n'a pas le même device, mais on a la même passion, ok? Franchement. Ok, c'est fini du coup. Ok. Ok, et donc il n'y a que ça? Enfin, que ça, c'est déjà pas mal, hein. Ça nous donne déjà une bonne idée du truc. Thank you.